là, Clara? On va à la mer. De public, on va dire, mais de privé quand même, parce qu'on y rentre clandestinement. Mais c'est quand même assez particulier où on va, non? Particulier... Parce que j'ai passé toute mon enfance là-bas, presque, chaque été, chaque jour là-bas. Ouais. J'ai fait plein de rencontres là-bas en fait, et ça tu le sais pas. Ah. Mais je sais pas tout justement. C'est ça qui est intéressant. T'as fait des rencontres. Des rencontres, déjà, la personne qui m'a le plus touché là-bas, elle est décédée. Ah bon? Il y a... Le nom est passé, ouais. Et lui, c'était... Mon petit vieux, disons. Ton vieux? Mon petit vieux. C'est quelqu'un qui m'adorait, que je voyais chaque jour, chaque matin, et qui me ramenait des cadeaux à mon anniversaire même. On se connaissait même pas. Mais il te ramenait des cadeaux, quoi comme genre de cadeaux? Ce porte-clés. C'était joli. Puis tu l'as rencontré comment, lui? Bah, là-bas. Il avait un chalet là-bas? Ouais, il avait un chalet. Le D208. C'est quoi cet endroit? Il y a un endroit qui s'appelle la Marina... Non? C'est là? Il y a quoi là-bas? Je suis jamais rentrée. Mais la Marina, c'est... Je... Tout ça. Là, en fait, il y avait la mer en... avant. Il y a 10 ans, peut-être? Il y a 60 ans, 1000 ans? Non, non, 10 ans. Et donc, ils ont foutu de la merde et donc on peut rouler dessus maintenant, donc il n'y a plus de mer. Puis la marine, c'est tout ça, alors les gens viennent marcher ici. Et... Ils s'arrêtent, il y a plein de voitures, il y a le... Ouais, c'est moche en fait, j'aime pas. Ouais. C'est vrai que c'est hyper, hyper crade hein, quand même. Hyper crade, hyper sombre, hyper... Je sais pas qui est là. C'est glauque. Ça te fait bizarre qu'on te filme? Ça fait très bizarre. Et c'est comment? C'est bizarre, c'est tout. On y va? Oui. Je prends quoi? Je ramène mes photos, je ramène mes trucs. Ouais, je pense que je vais prendre... On verra, je vais prendre quelques trucs. Prends des photos, prends tes calepins. De prendre des photos du phare, tu dis? Du phare, ou de la mer, ou des rochers. C'est vrai que ça fait assez carte postale, hein. Ouais. Mais tu prends des photos de quoi, alors? De gens. Des gens? Des photos de gens. Mais des gens. Ça veut dire quoi, des gens? En général. Ça veut dire que tu vois quelqu'un, tu le prends en photo? Ça dépend si sa tête m'intéresse ou pas. Puis tu fais quoi avec ces photos? Mais tu les regardes ou tu les fais juste, c'est juste le plaisir de les faire? Sûrement, je vais le faire. Je me dis merde, c'est raté, merde, non, c'est pas raté. Et pour toi, c'est quoi une photo ratée? C'est que j'ai raté le moment que j'ai vu. C'est triste. Ouais, c'est ça en fait. C'est assez barge. Tout à coup, tu vois quelque chose et t'as envie de le photographier, puis quand tu le photographies, genre... C'est raté. Mmh. Téléphone qui sonne, je peux répondre. Oui. Je monte pas mon travail. Tu montes jamais tes photos? Non, rarement. Pourquoi? T'as juste
T'as juste pas envie de le montrer, t'as pas envie d'en parler, ou tu préfères garder ça intime pour toi? Non, c'est juste... J'aime pas en parler. Je crois. Alors pourquoi tu as accepté que je te filme? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui a fait? Je me le demande moi-même maintenant. Qu'est-ce qui a fait? Écoute, j'ai jamais fait un truc pareil, je me laisse rarement prendre en photo moi-même. En fait, t'aimes voler la photo des gens, mais t'aimes pas qu'on te prenne en photo. Non, du tout. Alors du coup, c'est quand même assez fou, parce que moi, je débarque de nulle part comme ça, je te connais pas, et puis toi, t'acceptes que je te filme. En fait, c'est parce que je te connais pas, parce que tu t'en vas dans 2 jours. Je me suis dit pourquoi pas. On s'en fout. J'aime beaucoup celle-là. Je dirais en carré. Ça c'est quoi? Bah, c'est les pieds de mon grand-père. Les pieds de ton grand-père? Ouais, il porte des chaussettes. Tu vois là? Ah, d'accord. Ouais. J'aime cette photo. C'est qui? C'est une meuf qui était avec nous à la fac. Elle s'est fracassée la gueule. Elle s'est fracassée la gueule? Ouais, je sais plus à quoi elle ressemble. Elle était bien belle, hein. Ces deux, c'est des cartes postales que j'ai prises quand on était à Alep, en Syrie. T'étais avec qui? Avec mon groupe à la fac. On était 3e année, 4e année photo. Et puis il y a celui-là. Ça va faire 1 an que je l'ai, je crois. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier? Bah, j'écris tout dedans. Tout? Tout, non, pas tout, mais des petits moments de la vie, de ma vie, de la vie des autres. Je ne redis pas la réalité tant que je la vois, je la change, je la modifie, donc. C'est marrant, ça. Ouais. Parce qu'en fait, tu fais de la fiction, quoi. Te fixe pas sur moi. Mais je te filme pas, là. Ok. Menteur. On l'appelle la fleur. Dans ce film, sur cette pellicule, il y avait la fleur et la chaise. On avait intitulé notre film comme ça. C'était Mo et moi. Mm-hmm. Donc ça, c'est la fleur. Là, c'est au café de demain. Là, c'était au second jour du nouvel an de l'année passée, pas celui-là. Il y a une tulipe, j'aime les tulipes. C'est une tulipe, ça. Là, on était en voiture, Mo et moi, et c'est moi qui conduisais. Et j'avais ma caméra à côté de moi, et je me suis dit, merde, faut que je le prenne en photo, donc je l'ai pris en photo. Et j'aime bien cette photo. Tu vois, lui, il rêve. Il a son avion, là. Je sais pas c'est quoi. Elle, cette maison, c'est la maison bleue. Ah. On voit pas le bleu, et ça, c'est le mystère. Mais c'est la maison bleue. Ses portes sont bleues, en fait. Bleu turquoise. Elle est magnifique. Et pourquoi tu l'as prise en noir et blanc, là? Parce que j'avais pas de film couleur. Puis elle, c'est la bourgeoise. C'est la bourgeoise. Puis elle a quoi, cette femme? Elle a un amant. C'est ce que j'en dis. Et on a un seul? Pour le moment, en tout cas. Mon grand-père, ma grand-mère. C'est il y a longtemps? C'est 3 ans. Elle est décédée il y a 2 ans. Lui, il est toujours là.
il nous voit chaque dimanche et il attend. Elle, c'est l'amie de la bourgeoise. Et qu'est-ce qu'elle fait, elle? Elle écoute. Elle a pas de vie. Elle s'habille bien, mais non, elle a pas de vie. C'est marrant, on dirait une geisha. Une geisha, c'est moche. Lui, c'est qui? Et puis lui... Lui, c'est la photo, ma photo préférée de lui, que j'ai jamais prise, en tout cas, de lui. Lui, c'est mon petit mot. Et puis dans les autres photos que t'as amenées? Il n'y a pas grand-chose, finalement. J'ai pas ramené celles que je voulais te montrer. Je les ai oubliées. Ça arrive. Mmh. T'es quand même quelqu'un d'extraordinaire. Pourquoi? Je dis rien, je fais rien, pourquoi? Mais c'est ça qui est bien. Non, pour certains. C'est fou, quoi. Pour certains, pas pour tous. Quand je t'ai rencontré la première fois, tu disais rien, tu faisais rien. C'est pour ça que j'avais envie de te parler. Pour ouais. voir, en fait, déjà, si tu savais parler. Ah. Et est-ce que je sais parler? Non. Qui ne sait pas parler. Non. Mais qui fait des photos. Bah c'est comme ça que je parle, finalement.